minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have... Allez, salut tout le monde, et ici c'est Landron pour ce deuxième épisode de mon Let's Play, nouvelle formule sur le jeu Stellaris. J'espère que le premier épisode vous aura plu. On va s'attaquer dans ce deuxième épisode donc à organiser un peu notre production de minéraux, parce que vous l'avez vu dans l'épisode précédent, on arrivait plutôt bien à gérer la production énergétique, donc on était plutôt dans le positif. Par contre, on a énormément besoin de minéraux, et il nous faut un maximum du coup de production. Sauf qu'on n'a pas réussi à trouver beaucoup de systèmes dans notre, sous notre influence qui possèdent des gisements qu'on peut récupérer en orbite à l'aide de stations. Donc non, pour l'instant ça va pas, il faut qu'on règle ce problème. C'est ce qu'on va faire directement dans ce début de vidéo. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà en jeu, hein. Donc je rappelle que nous sommes la Confédération Skildarienne, voilà. Nous sommes dans un petit bras de galaxie, voilà, peinard tout seul. Et on explore plus ou moins d'endroits dans cette galaxie. Donc on a vu que ici il y a des minéraux. Par contre, il n'est pas revendiqué par notre système. On voit qu'il est à l'extérieur, donc du coup on ne peut pas s'y implanter. Cependant, elle possède une planète habitable à 70%, ce qui est très bien. Et en plus de ça, qui est vraiment énorme. 24 tuiles, c'est presque le maximum, sachant que le maximum c'est 25 si je me souviens bien. C'est juste que c'est un petit peu moins habitable qu'avant, parce qu'il y a des gros orages et puis des impacts d'astéroïdes. Effectivement, pour vivre, les astéroïdes, c'est un peu la merde. Du coup, ce que je vais faire, je vais tout simplement... On a combien? 63, c'est pas énorme. Parce qu'on a débloqué, si je me souviens bien, en regardant les technologies... Ah oui, s'occupe des projets spéciaux enquêtés pour les aliens. Ah, bon, bah, du coup, il y a une nouvelle technologie qui s'est faite. Solidité des fortifications planétaires, plus 1%, non. Capacité de stockage d'énergie, plus 1000 sur 100 d'alimentation, il y a... Après, ça permet... Là, c'est les centrales, donc là, on peut améliorer les centrales. On peut avoir les centrales de niveau 2. Où on met ça, qui permet de construire en fait un centre d'alimentation qui permet d'augmenter la production d'énergie sur toutes les centrales de la planète. Ce qui est plutôt cool. Et en même temps qui donne une capacité de stockage de plus 1000. Notre capacité de stockage qui étant actuellement à 5000, on a plutôt de la marge. Je pense que je vais prendre plutôt la centrale de niveau 2. Voilà, donc 70 mois, ça va être un peu long. Donc je disais qu'on va aller s'occuper de notre petite planète. Est-ce qu'il y a des endroits pour produire de l'énergie? Non, enfin de... des cailloux, évidemment que non, à part celui-là et qui a déjà son réseau minier dessus. Ça pue un peu de slip tout ça, il nous faudrait plus de minéraux, mais on voit qu'elle est pas très riche, vraiment pas cette planète. Ce que je vais faire, on a combien? 2, ah oui, il va falloir que je construise déjà une ferme hydrophonique, donc ça va être obligatoire. Hop, on va relâcher un peu le jeu, je vais accélérer, je vais mettre en mode rapide, le temps que je puisse vous parler. Alors... Donc là, ça va être de l'énergie. En fait, les populations, donc on voit que la charge, la barre est en train de charger, les populations s'installent directement... Ouais, deux secondes, il y a plein de trucs, je mets en pause. La barre de progression, en fait, se... Non, comment dire? Les populations s'installent sur les tuiles où il y a des crédits, que ce soit des crédits de recherche ou des crédits de matériaux, avant de s'installer sur les tuiles où il n'y a rien. Donc du coup, là, par exemple, elle va s'installer ici, elle va s'installer là, la prochaine. Voilà. Non, je vais essayer ça. Et ensuite, elles vont s'installer... Là aussi, après, elles vont s'installer sur les tuiles où il n'y a rien. Les tuiles où il n'y a rien, je vais installer, du coup, les bâtiments de production de matériaux, de minéraux, tout simplement parce que si on installe un bâtiment sur une qui ne correspond pas à ce qui est généré sur la tuile de base, bah, ça va détruire ce qui est généré sur la tuile. Autant garder ce qui est généré, ça peut être plus cool.
Voilà, donc je vais continuer à faire tourner un peu le jeu, le temps d'installer les centrales de production. Je vais sans doute décaler cette population-là sur la tuile où il n'y a rien. Donc j'y mettrai un réseau minier de manière à pouvoir générer deux de matériaux. Ok, donc je vais faire ça, je vais accélérer un peu le jeu. Alors oui, c'est vrai que j'avais fini ça. Donc on a trouvé en fait des formes de vie spatiale qui sont responsables de... Qui... Créatures paisibles, hein, pour accéder à une dimension inspirée au-dessus de l'espace, elles voguent... Elles broutent du gaz, donc c'est des créatures de l'espace qui broutent du gaz. Ok. D'accord. Donc on a fini un projet spécial, c'est bon. C'est parti, donc voilà, je vais relâcher le jeu et puis ça va s'occuper. Ah oui, il y a le vaisseau scientifique qui font rien. Il faut que j'aille enquêter sur ce truc-là, c'est faisable. Projet de recherche. Allez, c'est parti, mon kiki, tu y vas. Donc, je vais enquêter sur différents endroits, essayer de construire, d'augmenter notre production de minéraux, et puis je vous retrouve une fois que c'est fait. Alors, petit souci, c'est que je viens de tomber sur des bêta aliens, donc de nouveaux aliens. Je suis pas sûr qu'ils soient très très gentils. Je vais ralentir un peu le jeu. Voilà. Donc, ils sont neutres. Ils sont neutres, je les ai retrouvés dans ce système-là. Donc, ils sont aussi en train d'explorer la zone. On va du coup lancer le projet d'enquête. Voilà. Et donc, quand on retombera dessus, on pourra les contacter. Donc, ils doivent être en train d'explorer un petit peu la zone où on est. Moi, je continue de faire des recherches un peu partout, d'explorer les systèmes. Évidemment, le vaisseau de construction a fini de construire les stations dans ce système-là, et je peux plus en construire étant donné qu'elles sont hors de nos frontières. Du coup, j'attends le temps de pouvoir coloniser une nouvelle planète, potentiellement celle-là, même très certainement celle-là, de manière à faire une zone un peu plus grande autour de chez nous. Voilà, donc je vais continuer à récolter des minéraux, parce qu'il n'y a que ça à faire, et c'est ça la base. Allez, je reprends dès que j'ai récolté et que je peux faire quelque chose ou s'il y a un élément intéressant. Allez, à tout de suite. Alors là, élément intéressant, on vient de communiquer avec la Fevarian Regime. Ok, d'accord. Donc des canaux diplomatiques ont été ouverts et toutes les hostilités ont cessé. Alors, c'est une junte militaire de mecs qui ressemblent à des taureaux. Un peu bizarre. Et ce sont des capitalistes impitoyables. Ah là là. Ça, c'est les gens cool, ça c'est les gens qui viennent là pour te prendre la thune, te taxer les pauvres et dire que c'est leur faute. Voilà, ça c'est les bonnes personnes. Donc ce sont des fanatiques militaristes, donc ils aiment bien la guerre. On veut la guerre, on veut la guerre, mon colonel. Et ce sont des matérialistes dont c'est un coût des bâtiments moindre et des rendements de recherche plutôt forts. Notre Arkonkultar Assad vous adresse des salutations du Conseil souverain de la Favarian Régime. Nous espérons tirer ici des relations fructueuses avec votre peuple, mais sachez que notre armée répondra de toute sa puissance à toute transaction de nos frontières. Nous aurions tout à gagner d'une... Renoncez à vos manières passées. Nous aurions tout à gagner d'une coopération mutuelle. Ok. Bon bah oui, effectivement, c'est notre première rencontre, c'est le first contact, enfin, entre guillemets, parce qu'on a fait un first contact avant, mais on a fait une rencontre où on peut communiquer avec eux maintenant, en l'an 2207, le 4, le 2, le 2 du 4, c'est quoi, c'est le 2 avril, voilà. Donc, c'est un nouveau venu dans le régime, dans la galaxie. Donc c'est plutôt tranquille. Par contre, j'ai aussi découvert un système où il y a potentiellement plein de planètes habitables. Et peut-être qu'il serait bon de s'y implanter plutôt là, de manière à sécuriser. J'arrive pas à vous montrer. À sécuriser notre zone par ici. Parce que là, si on met une planète ici, si on chope une planète ici, bon, on aura une liaison aux frontières, mais c'est pas très grave. On pourra augmenter notre influence sur cette zone et ça fera une petite bulle ici, ce qui l'empêchera de passer correctement. Parce que nous aussi, on peut fermer nos frontières. Oula! Il y a une grosse puissance militaire qui vient de passer par là. Ça fait un peu peur. Bon, ben, dans tous les cas, je vais continuer à faire des améliorations à construire des bâtiments, des trucs comme ça, pour augmenter la production. Ah si, je voulais vous dire un petit truc. Petite pause, sinon, voilà. J'ai lancé la recherche de capacité de stockage des matériaux et ensuite le réseau minier 2. C'était soit ça, soit l'amélioration du spatioport au niveau 2. J'ai hésité, franchement, parce qu'en fait, le vaisseau colonial. Ah non, j'allais dire que le vaisseau colonial, on devait le faire au spatioport de niveau 2, mais en fait, pas du tout. Bon, bah, c'est cool.
On va continuer comme ça, c'est très bien. Alors, j'ai un petit peu exploré là, le système où il y avait des planètes potentiellement habitables. Dedans, il y a une planète qui en fait abrite une civilisation, je sais plus quel niveau, à l'âge de la vapeur, d'accord. Donc on peut pas s'y installer, de toute façon elle était à 20%. Mais surtout, il y a une petite planète dans ce système qui a une habilité de 60%, c'est pas énorme. Surtout qu'elle n'a pas énormément de tuiles, pardon, non plus, elle n'en a que 15. Cependant, je pense que ça pourrait être bien de s'y installer, parce que si on s'y installe, on revendique celui-là, celui-là, potentiellement celui-là. S'il y a une recherche, voilà, hop, il y a une recherche qui vient de se terminer. Ah, on a les réseaux de miniers 2, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Soit c'est des propulseurs, des plateformes de défense ou un blindage. Ouais, vitesse de combat, change de vêtements, vitesse. Ça peut être pas mal, hein. On va lancer propulseur ionique. Donc, si on s'installe ici, en fait, on peut surtout bloquer le Favarian Régimé qui est obligé de s'étendre de ce côté-là, donc plutôt du côté d'une nébuleuse qui leur donne une pénalité de voyage, soit sur tenter d'accéder à un autre bras de la galaxie, ce qui va être un petit peu compliqué. Parce que du coup, ça fait quand même un espace plutôt conséquent, il n'est pas sûr qu'il puisse se déplacer. Donc ça peut être pas mal de s'y installer ici, même si ça fera des tensions aux frontières, c'est pas très très grave. Parce que derrière, nous, on aura un petit peu le champ libre pour nous installer. Et lui, même s'il s'installe par là, il sera pris. Bah nous, c'est nous qui serons pris entre deux feux. Bah c'est pas grave. Je pense qu'on va essayer de s'installer là. Et pour cela, on va construire un vaisseau colonial. C'est parti, ça va me prendre un an. 360. Non, pas. Si, ça va me prendre un an de construction, donc ça va être assez long. Mais ça peut être vraiment rentable. Allez, donc je vais laisser tourner le jeu encore et je vous reprends dès que le vaisseau est fini ou s'il y a quelque chose. Alors, petite annonce, il y a les élections qui vont pour élire le prochain chancelier, pardon, ont commencé, elles se termineront dans quelques mois, dans quelques instants pour le jeu. Donc ça va changer un petit peu notre façon de voir, je pense pas trop, mais bon. On verra bien. Normalement, ça change pas grand-chose à ce niveau-là. Il n'y a pas encore trop de divergences dans tous les sens, il n'y a pas de groupuscule à l'intérieur de notre empire, donc ça devrait aller. Autre chose, j'ai lancé l'amélioration des bâtiments de réseau minier, en tout cas au moins un, et le spatioport arrive bientôt au terme de la construction du vaisseau colonial, donc c'est plutôt cool. Le vaisseau colonial qui coûte énormément d'énergie à l'entretien, donc au début, c'est un petit peu la marde, comme on dit. C'est un petit peu la merde. Ah oui, c'est vrai que je peux soutenir une personne. Oh, c'est facile. C'est assez facile. Alors, je vous explique un petit peu. Concernant les élections démocratiques, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils élisent un dirigeant qui s'engage à faire quelque chose durant son mandat, en échange de récompenses. Par exemple, ici, ça serait de l'influence. Et c'est plus ou moins facile. Par exemple, des recherches orbitales, c'est plutôt facile si vous. Si on veut s'expandre, en fait, le problème, c'est que ce genre de mission demande de mettre des mines ou des stations de recherche ou des stations de minage extraplanétaires, donc dans l'espace. Le problème, c'est que à faire, si on ne s'étend pas, ça marche pas bien. C'est-à-dire que si on n'a pas de nouveaux systèmes à coloniser, ça fonctionne pas bien parce qu'on n'a pas d'endroit pour s'installer. Ok, d'accord. On vient de finir le machin. Solde négatif, effectivement, on a pris moins 8 dans la tronche, donc effectivement, on a un solde de crédit énergétique négatif, mais ça va, on est plutôt tranquille. On va aller coloniser cette planète, ça va me coûter 145 d'influence, mais c'est plutôt bien, ça avance bien. Donc on va placer un avant-poste quelque part. L'idéal, c'est un endroit où on peut produire pas mal de choses. Et hop, on y va. C'est parti. On est lancé. Le nouveau chancelier a été élu, voilà, ça y est, le chancelier Serge Kir va gouverner jusqu'aux prochaines élections en 2020. Et ok. Ah cool, expecte. Ok, d'accord, il a gagné un niveau et en plus ça il a gagné une compétence, c'est cool. Ok. Donc ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, System niveau survey qui s'améliore. Je vais lancer la recherche d'un nouveau système. Alors, ok. Je voulais regarder. Voilà, le gouvernement. Non, c'est pas dans le gouvernement, c'est. Reconnaissance de monde habitable. Ok, d'accord. Bon, bah, ça, c'est. Ah non, c'est programme minier. Il faut construire 4 stations minières, ce qui devrait se faire assez simplement.
Franchement, ça devrait se faire assez facile. Là, il y en a 3, là, il y en a 3. Non, ça va être simple, surtout si on peut même... Ouais, non, ça va être assez simple à faire. Et ça devrait aller. Ouais! Ok. Problème. Hop, je vais diminuer la vitesse. On a trouvé des flottes hostiles. On essaie de lui échapper. C'est des Delta Aliens, donc ils sont pas trop contents. On va lancer l'enquête des Delta Aliens. Ça peut être pas mal. Ok. Alors, en espérant qu'ils puissent s'échapper. Delta Alien, ça a quelle gueule? Ils ont quelle gueule? Allez, on s'est barré. On peut plus les voir. Ok, donc c'était une mauvaise idée d'aller par là. On sait qu'il y a des Delta Aliens. Marrant. Dans un système qui s'appelle Delta Pavonis. C'est plutôt drôle. Ok, bon, bah c'était un petit peu la mauvaise idée. Mais bon, ça va. On a géré le truc. Je vais améliorer cette mine-là. Voilà. Donc là, ils sont en train de s'installer tranquillement, normalement. Ils doivent y arriver. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, ils arrivent. On va accélérer un peu la vitesse. Je vais faire venir le vaisseau de construction ici. Ça ira bien. Alors. Ils vont commencer à s'installer. Pouf! On est installé. Ça y est, nous avons notre civilisation a atteint sa première colonie, donc elle est arrivée quelque part, et elle s'est posée sur un des continents de Salax Prime. Alors, donc on a construit, du coup, hop, je vais... là, ils sont en train d'installer la tête de pont. Ça prend 13 mois, ce qui est quand même assez long. Alors du coup, voilà, le début de l'influence est en train... Voilà, attendez. Donc on a une anomalie, on va enquêter. Il faudrait que j'engage un nouveau vaisseau scientifique pour aller plus loin, parce que là, avec un seul vaisseau, on va pas aller loin. Ça va... Dès qu'il meurt, on est dans la merde. Du coup, je vais peut-être en faire un nouveau. Le vaisseau de construction, il va me servir à installer... un poste d'observation, une station de recherche, machin. On va tout faire. On va tout faire, mais je regarde... Qu'est-ce qui est bien? On va commencer par la station minière parce qu'on n'est pas énorme en énergie. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. On voit que l'influence commence à s'étendre, ce qui est bien, ce qui est vraiment bien. Tous les mois, elle va continuer de s'étendre jusqu'à un certain niveau. Oh là, ah, attendez. On a trouvé des mystérieuses entités. Ah, les amies spatiales. Les amies spatiales, c'est une chaîne d'événements et de recherches. C'est soit on va les détruire, soit on essaye de comprendre qu'est-ce qu'ils sont. On va plutôt l'étudier, je pense. Donc ça fait un projet spécial. Une vieille station minière dérivée en orbite de Isval 1, d'accord. On va essayer d'en prendre possession. Hop. Voilà, on en a pris possession, une vieille station minière dont on en prend possession. Ok, alors, j'ai plein de choses à faire. En fait, dès qu'on met en vitesse maximum, ça va vite. Hein. Donc, stockage de matériel. Ah bah, Space Spore niveau 2, il faut vraiment qu'on le fasse. On va le lancer. Pouvoir construire des vaisseaux un peu mieux. Donc là, ça avance. Je vais un petit peu diminuer la vitesse, je vais juste mettre en rapide. Éviter que tout soit cassé. Donc là, on va pouvoir revendiquer. Je pense au prochain mois, on pourra revendiquer Grey Kill. Va construire les postes d'observation. Il y en a un. Voilà, Grey Kill nous appartient maintenant. Donc qu'est-ce qu'il fout, lui? Pourquoi il y en a un qui passe ici? Il essaie de se déplacer, je pense. Il doit pouvoir se déplacer pour aller sur d'autres endroits. Ok, bon, c'est plutôt bien tout ça. Ah oui. Oh cool, ça monte de niveau. J'ai lancé aussi un projet de recherche qui permet d'augmenter de 20% l'étendue des frontières, ce qui est cool parce que du coup on pourra choper Vorsham sans avoir à s'installer, Aluna et potentiellement peut-être d'autres systèmes, même si ça m'étonnerait qu'on réussisse à en choper d'autres. Mais enfin avec les frontières déjà qu'on aura là, c'est déjà pas mal. C'est plutôt cool. Donc tout cela avance très bien. Je sais combien de... Attends, je suis à presque une demi-heure d'enregistrement, ce qui est cool. Alors, système survey complete. Où est-ce que je peux t'envoyer maintenant, toi? C'est un petit peu risqué dans ce sens-là. Bon, ça devrait aller.
Ça devrait aller. Ah, moi, ce que j'aimerais bien, c'est... Ouais, c'est cool, ça nous appartient maintenant. Alors... Oh, merde! Ok, d'accord. Nous avons rencontré les Impérial Udvango Dominions, donc c'est un empire despotique et des évangélistes fanatiques. Ah, ça c'est aussi des gens que j'aime bien, j'aime beaucoup. Ce genre de personne qui est prêt à aller faire exploser des planètes pour ramener un petit peu de foi. Donc ce sont des collectivistes avec coup de répression des factions, d'accord. Et ce sont des fanatiquement spiritualistes. Ok, d'accord. Ok, donc ils ont l'air plutôt gentils, mais il faut pas trop déconner non plus. Fermeture des frontières, communication diplomatique de la part de... Ok, d'accord. J'aime bien, ils étaient contents il y a 2 minutes, mais alors aujourd'hui, nous avons autorisé à parfaire notre espace trop longtemps, aujourd'hui c'est fini. D'accord, le mec... On se calme, t'énerve pas trop, j'ai compris, je ferai rien, t'es pas obligé de t'énerver. Donc... Ah, bah voilà, la colonie a été établie. Ça y est, notre colonie est établie. Maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on ne pourra pas améliorer le bâtiment de tête de pont en bâtiment administratif de base tant qu'on n'aura pas réussi à mettre 5 populations sur cette planète. Donc, ça va générer, bien sûr, tranquillou. Donc là, on est à 3, sachant que c'est, on est à plus 2, donc c'est bien, on pourra en générer encore. Là, on va garder 1. Oui, tout ça va bien aller, je pense. Donc, il faut la laisser tourner un petit peu en attendant. Il n'y a pas grand chose à faire à ce niveau-là pour l'instant. Juste la laisser tourner, c'est ce qu'il faut faire. Là, il faut que je construise la station de recherche. Et donc celle-là, elle se trouve dans un système. Celle-là, elle se trouve pas encore dans un système, mais ça m'étonnerait pas qu'elle y rentre. Ce qui est cool. Et donc, on a plutôt des bonnes choses. Par contre, elle n'a pas de spatioport, hein, faut pas l'oublier. Elle n'a pas de spatioport, il faut pas... Faudra pas déconner non plus. Ça me perturbe vraiment. Cette étoile qui semble être dans mon système, mais en fait non. Dans mon truc de revendication, mais en fait non. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs à faire? Pour l'instant, ça va. On peut pas faire grand chose de spécial. On est à plus 12, qui est cool. Je pense qu'il faut installer tout simplement les différentes stations qu'on fait avec nos vaisseaux de construction. Par contre, il va commencer à falloir se préparer. Ok, d'accord. Va falloir... Ouais, quoi. Certains éléments irrationnels et criminels de la société ont quitté ce qu'ils derrière pour mener une vie dehors la loi dans des endroits reculés de l'espace. Voilà. Ghost Lotia attaque les couleurs de navigation civile et il convient de réagir rapidement. Nous allons nous occuper de ces non-conformistes. Alors voilà, c'est ça le problème que je voulais parler, c'est que là, ils vont commencer à nous attaquer sur des systèmes où on a personne. C'est-à-dire, genre par exemple ici, où on a très peu de puissance de frappe. Donc à peine 28, 28, 28. Et ils vont arriver avec une flotte assez conséquente. Donc il va falloir faire tout d'un coup pas mal de vaisseaux de militaires, sachant qu'on peut en faire 14. Donc il va falloir qu'on en fasse. C'est bien ce que je pensais, en fait. Il va falloir qu'on en fasse. C'est un moment où ça devient critique. Ok, on a les centrales de niveau 2, c'est cool. Labo de physique qui permet de produire des plus de recherches de physique. Réseau de panneaux solaires, capteurs gravitationnels. Vitesse d'exploration, c'est pas mal quand même. Hein. Je pense qu'on va lancer ça. Même si on voit que la recherche en physique, c'est celle qui stagne le plus. C'est celle qui n'augmente pas et c'est bien chiant. Non, enfin bon, on va... Du coup, je vais relâcher un peu le jeu. On va du coup devoir faire pas mal de corvettes, parce que c'est pour l'instant tout ce qu'on a. Ah, voilà. Oula. Il y a quelques 6000 ans, une impressionnante bataille spatiale s'est déroulée en orbite haute de Impan 3, à laquelle des vaisseaux d'au moins 5 flottes différentes ont participé. L'une de ces flottes appartenait à Cyprex. Ok. Mais moi, ce qui va pas, c'est... Bon, ils sont pas énormes, il y en a que 166, entre guillemets, mais c'est quand même pas sympa. Donc c'est bien la Ghost Flotilla. Va falloir qu'on s'en occupe, mais on va pas pouvoir s'en occuper tout de suite, en réalité.
Bon, je sens tellement. Ah, il y a une rivalité qui a été déclarée. Mettons, on se terme à cette comédie. Donc là, la rivalité, faut pas trop y toucher parce que ça veut dire potentiellement une guerre et j'ai pas envie de m'y taper actuellement. Ah, attendez, il y a plein de trucs à faire. Déjà, on va lancer l'exploration continue des systèmes. Voilà. Projet de construction, on va pas y toucher parce que ça va être la merde. Il faut que je construise d'autres corvettes, mais évidemment, j'en ai pas assez. Merde. Bon, allez, on va attaquer, tant pis. C'est pas dit que ça fonctionne, mais peut-être avec un appui des. Comment ça s'appelle? De cette puissance militaire-là, de la mine, là. Ça fera peut-être quelque chose. Construction complete. Donc là, il va se déplacer, il va rejoindre la flotte, ce qui est plutôt pas mal. Putain, je peux pas en construire. J'aurais dû le faire. J'aurais clairement dû le faire plus tôt. Parce que là, c'est un peu la baise. Voilà, donc ils m'ont pété ma. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de s'enfuir? Ouais, ils s'enfuient. Bon, ok. On a perdu un générateur ici. Donc faut qu'on fasse gaffe. On va essayer d'augmenter notre flotte au fur et à mesure. Faut qu'on fasse gaffe parce que je pense qu'ils vont revenir essayer de me ninja des trucs. Ça va m'énerver, ça va vraiment me casser les couilles, donc faut qu'on fasse gaffe, vraiment. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Sachant que je peux pas réinstaller de système, on va construire des corvettes encore. Je vais construire quelques corvettes, je vais le faire en mode accéléré, histoire de se protéger et d'éliminer cette flottille de satanés pirates, de gens non conformes à cette société. Je vais essayer de le faire, de m'en occuper comme ça. Voilà. Alors, je dois dire m'être un petit peu énervé. J'ai fait 8 vaisseaux. Voilà, donc ça va bien aller. Maintenant, j'ai un petit peu abandonné les autres choses à faire pendant cette période. Oh, bon, en fait, la pop, elle avance tellement pas que ici, on n'est pas prêt de les avoir. Ok, donc là, il y a l'Empire de Fevarian, là, qui a installé une nouvelle planète. Du coup. Ils vont se développer et ça m'énerve un peu. Même s'ils vont être un petit peu écrasés. Alors, System Survey Complete. Je vais continuer de rechercher, bien entendu. Hein. Reconnaître les systèmes. Donc là, je sais pas où est le vaisseau pirate. Mais bon, si je le trouve, je défonce. Parce que là, avec les 8, on est à 256. C'est quand même déjà pas mal. Ça va un petit peu les écraser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais. Construire les stations. Hop. Station de recherche. Ça va être fait. Qu'est-ce que je voulais faire? Zut. Je voulais faire quelque chose. Je sais plus quoi. Ok. Bon, l'étendue des frontières va arriver dans 7 mois. Ça devrait aller. En espérant qu'ils vont pas me revendiquer au nez et à ma barbe certains systèmes, ça m'énerverait un peu. Je voulais faire. Donc déjà on va installer toutes les stations. Ça pourrait être pas mal déjà. Une fois qu'on aura fait ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, à faire des nouveaux vaisseaux. Un vaisseau de construction supplémentaire parce qu'on va en avoir besoin pour s'écarter. Enfin pour exploiter un peu plus. L'univers et un vaisseau scientifique de plus pour pouvoir explorer beaucoup plus vite. Alors, toi c'est bon, du coup, tu vas aller retourner ici. Station minière. Ça va tellement vite l'accélération maximum. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir de super planète où s'installer, mais bon. Ah bah finalement c'est dans mon espace. Ah bah d'accord, oui, bah c'est parce que ça a augmenté de 20%. Donc vous voyez, hop, grâce à ça, on a pu scinder les deux. Non, scinder. Coupler les deux bulles qu'on avait un petit peu écartées, donc on est plutôt bien. On est vraiment plutôt bien. Capacité navale plus 10%, ça peut être cool. Déblaiement des bloqueurs L1, biolaboratoire, ce qui permet de générer, d'accord, des recherches sociales.
Et siphon énergétique. Ok. Peut-être pas. Capacité navale, ça peut être bien. Donc on en a plein dans notre giron maintenant des systèmes, ce qui est vraiment cool. Donc on aura, je pense, pas mal de choses à faire dans le prochain épisode. Je vais rendre le jeu en vitesse normale pour éviter de tout casser. Donc on va arrêter là cet épisode, je suis à 40 minutes d'enregistrement, c'est plutôt pas mal. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas aussi à... Comme c'est un display test, n'hésitez pas à dire vraiment ce que vous en pensez. Hein. Voilà. Et sur ce, on se retrouve dans 3 jours, dans 4 jours, pardon, pour la suite de ce display. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!